Alors on a le droit à 50-50, moi. Hein. L'appel à un ami. Ou alors on switch. Hein. Comment ? Switcher, ça veut dire on passe la question. Ah bon ? Ah oui, mais un bon coquin. Là, je vous emmène faire un tour à Bercy. Comment ? Vous avez perdu 50 ans aujourd'hui ? Oh, ben moi, il ne faut pas que je les perde, il me reste que 2 ans. Je suis déjà pas grand, imaginez ce que ça va donner. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé du dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de Limerick, Marine a dit oui. Betty Barry, Mary Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Bien avec les Connors, les O'Connolly, les Purdy, du Duke of Kelly et de quoi voir, 3 jours et 2 nuits, et tout de suite moi, là. Super, on sait tout le bruit du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cramwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager, certains soirs d'été replongés pour l'éternité. On y voit aussi les hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Où la on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.